Martin Rucoctane vous est présenté par Québécoade, la Fédération québécoise des clubs quad. Et Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Je me retrouve durant une magnifique fin de semaine d'automne chez moi. Oui, cette semaine, l'équipe Octane se déplace en Charlevoix pour un spécial Or et VHR, ou plutôt Or et VAR, véhicule hors route. Je viens rencontrer un artiste extrêmement connu dans la peinture figurative, le doyen de la peinture au Canada. Ça fait des années qu'on se rencontre, des années qu'on se côtoie. Depuis 53 ans, j'ai 53 ans, c'est mon père, Vladimir, qui est un artiste de haut niveau et qui parcourt avec son 4 roues les trails fédérés pour aller sur le motif, aller chercher des idées, aller chercher des beaux panoramas pour ensuite terminer ses tableaux dans son studio. Durant le tournage, on va être rejoint par la gang de Québécois, Danny et quelques autres personnes. On va explorer un peu le territoire. C'est le temps de l'automne, c'est le temps de la chasse, c'est le temps des couleurs, c'est le temps de découvrir... En images et en couleurs, c'est du Vladimir, c'est du Octane et ça commence maintenant! Exceptionnellement, j'embarque Vladimir avec moi pour aller faire un tour. Je l'amène dans une petite trail qu'il ne connaît pas et je pense qu'il y a un très beau point de vue en haut. C'est pas nécessairement facile d'accès, fait que je lui donne une petite chance. Je prends mes certains talents pour grimper aux arbres. Ça te va, Vladimir? Ça va. Tu prends à peu près combien de fois ton 4 roues par semaine? 3 à 4 fois par semaine. Par plaisir? Oui, puis le même temps, j'ai 20 km de chemin sur ma terre à bois. Alors, en même temps, je fais l'inspection de nos terres. Fait que ton 4 roues, tu t'en sers autant l'été qu'en hiver? Oui, avec les chenilles, absolument. T'es pas mal bon. T'es même très bon. C'est gentil, mais c'est pas large. C'est vraiment, vraiment pas large. C'est surtout la largeur du véhicule qui est problématique. Tu sais, on dit qu'il y a des applications pour les 4 roues puis d'autres pour le côte à côte. Bien, ici, c'est vraiment fait pour le 4 roues. C'est bon, hein? Mais je ne vais pas dans le lac, là. Ben, hey! We did it! I'm alive! Ben, je suis en vie, toujours en vie. Bon, ben c'est pas facile de faire de la conversation avec Vladimir quand ça roule. On a le casse à la tête, le bruit de la machine. Fait que c'est presque impossible de discuter. On continue ça dans son studio. Commencé à faire de la peinture avant que je sois né. J'ai commencé à faire de la motoroute quand tu faisais de la peinture. On a joint nos unions. J'étais 15 ans de temps, ton agent. Et après, j'ai commencé à faire de la télé. Puis là, on se rejoint 11 ans plus tard dans ton studio, sur ta terre, Or et VHR. C'est magnifique. C'est très exceptionnel. Parle-moi de ta terre. Pourquoi tu es venu t'installer ici? Parce que tu es un gars de l'Ouest canadien. Tu es en Edmonton, en Alberta. T'es loin de ta mère, comme on dit. Je cherchais un endroit qui me rappelait un peu, j'ai un peu la nostalgie de l'Ouest. Ça prenait des montagnes, la forêt.
J'ai réussi à trouver un endroit de 325 acres à vendre avec une ferme dessus. Et j'ai sauté dessus comme une boîte à lunch. Je sais que tu es un ancien militaire. Comment ça s'est passé, cette transition-là, de l'armée à devenir peintre? J'ai entré dans l'armée pour me sauver de mon milieu, qui était pauvre, modeste, mi-cultivateur, mi-pauvre en ville. Ouais. Alors, j'ai entré dans l'armée. Je venais extrêmement efficace dans le domaine de la destruction. J'avais le don d'enseigner. J'étais capable de détruire n'importe quoi d'une manière efficace, mais je n'étais fâché contre personne. Alors, comme je n'aimais pas boire, j'ai commencé à peindre. Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai acheté un petit kit de peinture, puis j'ai commencé à peindre comme ça, pour me défouler. Hein? Bon, tu vis dans un petit coin de paradis, ta terre, la terre familiale, c'est magnifique, c'est inspirant. Partout où est-ce qu'on regarde, c'est beau. Ton studio, c'est inspirant. C'est un vrai studio d'artiste. Moi, je veux que tu fasses un tableau suite à notre tournage de cette semaine. Puis au fil des prochaines semaines, je vais garder un logbook de ton tableau. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire? C'est l'idée est déjà formulée dans ma tête. OK. Je sais exactement ce que je vais faire. Avec Vladimir, il faut être prêt à toutes les éventualités. Je sais que tu as 2 4-roues, mais sur ton autre, sur ton 4-roues, tu traînes des siottes, tu traînes un bidon de gaz, quoi d'autre que tu traînes? On est toujours prêt pour une urgence. On a jusqu'à une trousse de premiers soins au cas où. Bon, l'arbre est trop gros, évidemment. On va le débiter un peu pour passer. Il faut tout le temps être prêt, parce qu'en forêt, c'est plate de faire une ride. Il peut avoir des sous de secours et d'être obligé de repartir sur ses pas. Finalement, la gang de Québécois nous a rejoints ici à la terre familiale de Vladimir, ma terre familiale. On s'apprête à partir sur les sentiers, premièrement qui connectent au sentier fédéré et ensuite en sentier fédéré. On cherche le premier endroit officiel en gang où est-ce que Vladimir va faire un croquis, prendre quelques photos pour faire un tableau dans son studio par la suite. Dans le tournage de cette semaine, Danny est venu nous rejoindre à Charlevoix, une région qu'il aime beaucoup, mais que tu n'as pas tellement l'occasion de venir. On n'a pas l'occasion de venir souvent à Charlevoix, ben non. Et ce qui me fascine, c'est qu'il réussit toujours à nous amener des nouvelles personnes sympathiques partout au Québec. Et Pierre en est un. Vous êtes des amis de longue date. Oui, ça fait 20-25 ans qu'on se connaît. Puis, à rigueur, on n'est pas tellement loin, on est voisins presque. Presque. Moi, je viens de la Côte-de-Beaupré. Ben, c'est ça. Donc, c'est à côté de Charlevoix. 25 ans d'amitié, ça fait quoi? Est-ce que c'est le VHR qui vous a réunis ou vous étiez amis avant ça? Bien, c'est le VHR, mais Pierre, tu sais, il a été sur le conseil d'administration de la Fédé. Après ça, il a quitté. À un moment donné, il est revenu comme administrateur régional. Puis aussi, à un moment donné, bien, on avait besoin d'instructeurs. Puis ce qu'on voulait, c'est être safe, c'est assurer la continuité pour les instructeurs à long terme. Donc, on a eu l'occasion d'inviter Pierre à une formation en Californie. Fait que Pierre a été formé pour la formation des cours de VTT okay. Et cours de côte à côte. Pierre, c'est un instructeur. Il a formé pratiquement une quarantaine d'instructeurs au travers du Québec. Alors, cette formation-là existe toujours? La formation existe toujours, oui. Elle s'adresse principalement à l'industrie. On a formé énormément de pompiers, de policiers, ceux qui ont à travailler avec les véhicules côte à côte.
Ça vous fait quoi de côtoyer un artiste qui utilise son quatre roues pour aller sur le motif, puis prendre des beaux paysages, puis de retourner dans son studio faire des tableaux? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Bien, c'est le fun parce que ça fait différent, puis ça montre aussi que il y a toutes sortes de gens dans la société qui font du véhicule leur route. Il y a des médecins, des artistes, des peintres, plein de gens. Plein de gens. Pierre, c'était un artiste en soi aussi. Tu sais, c'est un gars qui a fait beaucoup de mouches dans le temps qu'il était dans la pêche. Ben, t'as le look artiste. On pourrait dire que t'es artiste peintre ou sculpteur. Là. T'as vraiment la gueule d'emploi. Oui, mais en fait, j'ai zéro talent au niveau de la peinture ou de la sculpture. Mais moi, j'ai œuvré beaucoup dans le domaine de la pêche. On fabriquait des mouches artisanales, donc on faisait des créations. J'ai eu une école de pêche à saumon aussi, là où on initiait des jeunes à la pêche. Merci les gars! Allons sécher, puis on continue notre belle aventure de cette semaine. Super! En VAR, véhicule hors route. J'adore ton parapluie. C'est bon, il est beau mon parapluie. Il est beau, il est super beau. Les beautés de Charlevoix, nous sommes sur le village le plus haut en Charlevoix, 450 mètres d'église, et on est encore un petit peu plus haut ici. Ça s'appelle la montagne de la Croix. C'est une halte au bout de la trail fédérée. Oui, oui, tout le monde est capable de venir ici, si vous avez votre vignette, évidemment. Quand tu arrives ici, sur le top de la montagne, puis tu regardes, je vois ton tableau final, bien, il n'y a pas de ligne téléphonique, il n'y a pas de poteau, ça veut dire que tu peux adapter un peu ton tableau puis enlever les choses que tu veux pas dedans. C'est très compliqué dans le sens qu'on dit que c'est très beau. C'est pas nécessairement 180 degrés qui est beau. Il faut décider c'est quoi là-dedans qui nous attire le plus. Évidemment, ce ne sera pas les lignes hydro ni les poteaux de téléphone. Oui, oui, ouais, je comprends. Alors, c'est très riche en matière. Une toile, c'est limité, donc il faut vraiment décider ce qu'on va mettre dedans. Quand on a planifié le tournage, on s'est dit, de telle date à telle date, on est dans le top de l'automne. Oui. Il y a trois jours, un orage, mais c'était le déluge, et du vent à au-dessus de 100 km à l'heure, puis tout le beau orange-rouge pétant est parti. En toute partie. Mais toi, tu retournes dans ton studio, tu t'en souviens? Ça fait 55 ans que tu peins. Ça veut dire que même si tu n'as plus les couleurs vivaces, tu vas les mettre dedans pareil, c'est ça? S'il reste trois couleurs, trois feuilles dans l'arbre, je peux te faire l'arbre au complet. Ouais. Alors, c'est ça que l'artiste vient en jeu, là. Ouais. Alors, même si la plupart des couleurs sont parties, j'ai quand même un repère dans chaque élément. Ouais. Et c'est pour ça que tu prends des photos? Je prends des photos pour les choses techniques. Tu peux faire un croquis rapide, mais quand c'est, par exemple, la façade d'une église... Alors, je ne traînerai pas là une heure et demie pour faire la façade avec tous les petits soins de soins. Ouais. Elle va prendre une photo juste pour documenter ça. Ça fait combien de temps que tu peins? Pardon? J'étais pas né encore quand non, t'as commencé. Non, j'avais pas de femme. Je pense que jamais me marier dans l'armée. C'est quasiment un miracle. C'est pas une place tellement pour rencontrer des bonnes femmes. Je suis d'accord que tu as trouvé une femme, c'est un miracle. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand ils vont fermer les caméras, je donne une taloche pour ça. C'est bon. Écoute, plus pas plus, nous, on y va, c'est du octane. Puis toi, t'as pas l'air, ça n'a pas l'air à te fatiguer bébé non plus. Bon, non. On continue notre petite balade. Absolument. On va aller sur un autre point de vue. Mais je vous le dis sincèrement, Saint-Hilarion, la montagne de la Croix, ça vaut le détour. Puis en plus, si vous êtes en saison, il y a un bon petit casse-croûte en bas de la côte, sur le long de la 138. Ouais. Les frites sont délicieuses et sont bien salées. Je sais que c'est pas bon pour les artères, mais que voulez-vous? On n'est pas parfait. Ah ouais, vous l'avez dit. Vous allez dire au casse-coute que vous connaissez Vladimir, il vous donne plus de frites gratuitement. Oui, c'est ça. Hey, merci de nous accueillir dans ton studio, Vladimir. Bon, ça m'a fait plaisir. Vous êtes plus que le bienvenu dans mon studio. Je trouve ça le fun, notre épisode de cette semaine, de marier l'art, la nature, le VHR, tout ça. C'est un privilège qu'on a au Québec d'avoir du terrain de jeu. Puis toi, t'as une terre. Moi, aussitôt que je peux, je viens ici. C'est ma deuxième maison. Ben, c'est ma première maison. Ouais. Mais tu sais, je reviens chez nous, ici. Chez nous. Ici, c'est le paradis de la route. Le rang à côté est fermé parce qu'en hiver, il y avait trop de neige. Et le monde n'était pas capable de se déplacer. Ils ont pris toutes les maisons puis l'emmener ça au cinquième. Ah. OK?
Puis l'autre rang, c'était le même problème. Alors là, ils ont fermé le rang puis ils ont amené tous les bâtiments au cinquième. Ah. Alors c'est pour ça que c'est si occupé le cinquième. Parce que nous sommes entourés d'un rang fermé, C'est le croisement de chemin des quatre goûts, des skidous en veux-tu en v'là. Alors c'est un carrefour naturel pour la route, là. C'est merveilleux. On se fait une petite santé à ta santé. Merci. Parce que pour un bonhomme de 81 ans, tu nous notes dedans. Santé tout le monde. À notre beau tournage d'Octane. C'est Angela, ma douce femme, qui a préparé ce petit lunch. Elle a pris tous des produits exclusifs de Charlevoix. Faites ici. Sauf les chips, mais achetés dans une épicerie de Charlevoix et les boissons gazeuses achetées en Charlevoix aussi, même si c'est fait ailleurs. Alors, ça, on a les viandes, on a le copa, on a le pieux, un genre de salami. On a du chorizo, on a le lanza, on a de la viande, ça a l'air un peu du jambon de Parme. On a des rillettes de la ferme basque. On a des crottes de fromage qui viennent de la laiterie Charlevoix. On a du migneron. On a le fleurmier. On a la tome L. On a le ciel de Charlevoix. Et on a le 1608 et du pain de la boulangerie de Charlevoix, chacun son pain. Pour le dessert, ça peut pas être plus charlevoisien que ça. Ce sont des tartelettes au citron faites maison par un chef de Charlevoix. Alors, défoncez-vous, it's lunch time! Dans les formations de conduite de quatre roues qu'on donne, on regarde aussi les techniques, comment monter des côtes abruptes. Oui. Et lorsqu'une côte est abrupte, il faut s'assurer d'avoir un bon élan avant de franchir la colline. Et comme on voit ici avec la dénivellation qui est un petit peu vers la droite, on va transférer notre poids vers le haut et aussi du côté du haut de la pente pour éviter justement un renversement vers le bas de la colline. Mais ce qui est important, c'est de garder notre élan jusqu'en haut de la colline. Oui. OK. Toi, Danny, quand j'avais un jeune âge de 15-16 ans, tu travaillais à notre commanditaire de Laval à l'époque. Ben oui. Puis tu vois Vladimir, écoute, 35 ans après, tu trouves-tu qu'il a beaucoup changé? Ben non, il n'a pas changé. À part la couleur de cheveux, là, il n'a vraiment pas changé. C'est fou, hein? Oh, attends, j'ai 25 cents ici. C'est le même. Non, mais c'est vrai, c'est le même style distingué, tu sais. Je me souviens de lui quand il venait chez Serge Millette avec sa petite veste en laine. Puis à l'époque, il fumait la pipe et tout. Là. Vraiment. Puis il n'a pas changé. Ouais, là. Il n'a vraiment pas changé. À part la couleur de cheveux, il n'a pas changé. C'est lui-même pareil. Puis bon, on savait tous que c'était un peintre, mais je suis content d'être ici aujourd'hui là, parce que là, on voit vraiment l'environnement de Vladimir, mais l'environnement aussi de ta jeunesse. Ouais. Bien. Tu sais, ici, là, quand on est arrivé à la ferme, j'étais un petit garçon, j'avais 2-3 ans, tout ce qu'on pouvait faire, c'est jouer avec le petit chaton, le chien. On avait un rime avec un bâton, comme des films, puis les routes étaient en garnotte. Et à un moment donné, à cause de mon frère, il a eu une petite moto en route. Hey, notre vie a complètement changé. Ça nous a donné un but d'envie, ça nous a motivés. À 11 ans, j'avais ma première moto. À 16 ans, je faisais le Super Motocross à Montréal. Le domaine des véhicules hors route, c'est un univers incroyable pour deux ados comme nous autres à l'époque. Puis Vladimir, René, ma mère, ils ont été les chefs d'équipe pendant des... Tu sais, on arrivait là, le campeur, la remorque, on allait chercher nos pièces, on partait aux courses. C'était quelque chose. On a vraiment une vie
une vie incroyable familiale avec ça. Ça a été un noyau. Mais il est artiste. T'sais. On a passé notre fonds de pension dans le motocross. OK, ben oui. Hein? C'est pas compliqué. Danny et les autres qui étaient avec nous autres durant notre tournage, qui sont venus nous rencontrer, sont unanimes. Ils sont impressionnés par ta vivacité, ta jeunesse. T'sais. T'es un gars de 81 ans, mais ça paraît pas. C'est quoi le secret de rester allumé de même, là, rester allumé psychologiquement et physiquement? J'ai pas ton secret. J'ai la très bonne chance de faire ce que j'aime. Le but de tout le monde dans la vie est de trouver quelque chose que t'aimes. C'est ça. Si tu n'as pas un projet, t'as un problème. Que tu sois peintre ou pas, ça prend des projets. En finalité de ce beau moment de vie ensemble, moi, j'ai une seule chose à te dire. Lâche pas patate mollée, puis on se revoit en hiver, puis on continue notre trip. Moi, je te lance un défi. On fait les 4 saisons de Vladi, à référence aux 4 saisons du Vladi. Là, on vient de faire l'automne. On se donne un rendez-vous à l'hiver, puis on fait autre chose. On inclut un peu ma business, on inclut un peu ta business, puis on a du fun, puis tu vas nous refaire un autre tableau. Mais tu me crois pas, mais des fois, tu as des très bonnes idées. Hein? Puis étant donné qu'on est père-fils, ben, on a le droit de se faire ça, man. Je m'en ai-tu de ça, moi? Je m'en ai-tu de ça? Yes, sir. Sur cette belle table champêtre en Charlevoix, sur la terre familiale, notre tournage or et VHR se termine. Quelle belle note! En plus, le soleil est revenu. On a fait du beau 4 roues. On a fait des belles découvertes. On a rencontré Vladimir. On a continué à fréquenter Danny et sa gang. Et de mon côté, je retourne sur mes sources initiales. C'est ici que j'ai commencé à faire de la moto en route quand j'avais 11 ans, en 1979. Ah ben c'est pas fini. Je vais encore faire du hors-route en Charlevoix et ailleurs, encore et encore. Un grand merci à Québécois et surtout Vladimir et ton épouse qui t'a laissé cavaler pendant 3-4 jours avec nous autres. C'est vraiment génial. C'est un peu la note de la saison 9 d'Octane. On essaie de sortir un peu des zones de confort. On n'a pas le choix. On ne peut pas aller à l'étranger. Fait qu'on s'amuse ici au Québec et dans les alentours. Je suis Martin Rick. À la semaine prochaine! Martin Rick Octane vous est présenté par Québécois et Performance NC. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Salut!